Bonjour à tous, c'est Angel Killer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, comme vous l'avez vu dans le titre. Ce n'est pas une vidéo sur FIFA Ultimate Team. Alors attendez deux secondes, je vois juste si mon HTTP va recorder bien. Ok, bah ça me paraît plutôt pas mal, parce que bon, j'ai pas envie de recommencer cette vidéo, parce que c'est vrai que mon HDPR parfois me joue des tours. Alors, ça va pas être une vidéo sur Fight Team et Team, ça va, je vais commencer une nouvelle série. En fait, bah ça va être nouvelle carrière, et parce que j'ai vraiment envie de tester ce mode. C'est vrai que, alors carrière, je faisais plutôt des carrières de manager sur les précédents FIFA, notamment sur la PS2. Mais là, j'ai vraiment envie de tester une carrière de joueur avec vous, une carrière suivie en vidéo. Donc si c'est bah, vous regardez la vidéo, et puis si la vidéo vous plaît, bah, à la fin, vous me dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue cette série ou pas. C'est vraiment un truc j'innove pour un peu diversifier les vidéos sur ma chaîne, parce que c'est vrai que FIFA Ultimate Team, ça m'énerve un peu. Du coup, je voulais lancer quelque chose, et puis on verra bien. Là, aujourd'hui, je crois que je sais pas du tout comment ça se passe. J'ai tenté une sur FIFA... Combien sur FIFA 13, j'avais déjà testé de tester un joueur et faire une carrière. J'avais plutôt bien aimé. Maintenant, j'ai envie de la faire avec vous sur FIFA 14. Et c'est vraiment mes premiers pas. Donc là, je vais choisir l'équipe. Alors l'équipe, je vais commencer en Ligue 2 avec le FC Metz. Et pour après, en fait, pour après essayer de me faire recruter par des plus gros clubs. Et puis pourquoi pas un jour devenir une légende. Puis après devenir entraîneur. Et tout ça, j'espère que vous le suivrez avec moi. Alors, difficulté amateur. Alors, amateur, semi-pro, pro, international, légende. Alors, attention, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, ça a déjà un premier problème. Alors, plus il est élevé, plus le défi sera de taille. Une fois le niveau de difficulté réglé de votre carrière entamée, vous ne pourrez qu'augmenter le niveau de difficulté. Alors, si je peux que l'augmenter, le niveau, je vais me mettre en pro. Et puis après, pourquoi pas l'augmenter si ça va bien, si je vois que je gère bien le truc. En international et légende. On va mettre en pro. Durée des périodes. Alors, durée des périodes, moi, j'aime pas quand c'est trop long. Je vais mettre 5 minutes. Voilà. Ce paramètre détermine la quantité d'argent issu de la vente des joueurs qui sera alloué à votre... Alors, attendez. Ce paramètre détermine... C'est la première fois. En même temps, je voulais faire ça avec vous. Alors, ce paramètre détermine la quantité d'argent issu de la vente des joueurs qui sera alloué à votre... Bon, on va laisser comme ça. Vous savez quoi? 2 euros... Stade. Ah, stade, j'aime bien me changer, stade. On va prendre un truc qui ressemble au stade de Metz. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Bon, on va prendre ça. On va pas changer. On va mettre Saint-Symphorien. Au pire, ça, je le ferai après. Non, écoute, on va le faire. Alors, Saint... J'espère faire un petit match, pourquoi pas. Non, j'ai tout supprimé. C'est bien joué, Emile. Saint. Pour ceux qui ne savent pas, au fait, je m'appelle Emile dans la vraie vie, du coup on va créer le joueur comme ça. Saint-Symphorien. C'est le stade du FC Metz. Alors je commence avec Metz, mais bon, mon but c'est pas de rester à Metz toute ma carrière, à moins qu'avec Metz je gagne la Ligue des Champions. Ce qui est possible, mais il faut pas trop rêver non plus. Ok, retour, appliquer et quitter. C'est nickel, semi-pro, j'ai dit. Euro. Équipe utilisée. Changer l'équipe utilisée dans le mode option par défaut utilisé. Télécharger les plus récentes. Compétition européenne, la première saison. Bon, bah, de toute façon, je suis avec Metz, du coup, les compétitions européennes, c'est pas trop ça. Désactiver première période estivale des transferts. Non, voilà, c'est magnifique. Continuer. Chargement des dernières mises à jour. Allez, fais-toi plaisir. Donc là, je pense créer mon joueur et puis pourquoi pas faire un premier match. Si j'ai le temps, je sais pas du tout comment c'est. Et puis bah, en tout cas j'espère que ça vous plaira, c'est vrai que des comme ça, je connais pas mal de youtubeurs FIFA, c'est plutôt des youtubeurs fut. Moi j'ai envie de me démarquer, créer votre pro, utiliser véritable joueur. On va créer un pro, écoutez ensemble. Alors le nom, on va essayer de faire vite, mais bon, ok d'accord, j'ai un peu fail. Alors, Emile, voilà, c'est ça. Non. Alors, je vais mettre un diminutif de mon nom parce que j'ai pas envie que vous sachiez mon nom. Alors attendez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre Emile. Ouais, Emile, on va mettre Emile. Je mets un nom complètement. Voilà. Je vais mettre Emile. Ouais, avec deux A pour que ça soit stylé.
Barthes, voilà. Voilà, comme ça, on va faire comme ça. Ça marche bien. Émile Barthes, alors c'est un peu mon nom de famille en abrégé, mais sauf que moi j'ai qu'un A et il y a encore un long truc à la fin. Du coup, de toute façon, je voulais pas mettre le nom en entier. Surnom. Surnom, on s'en bat les couilles. Nom en commentaire. Alors, je crois qu'il y avait un truc en Émile. Néant. Non, bon, d'accord. Attends, c'était comment? Déguisement. Ouais, bah écoutez, les gars, je crois qu'il n'y a rien qui se rapproche de Émile ou Angel Killer, peut-être un truc comme ça, non? Alors, Aguilar, André. Non, bon, écoutez, il n'y a rien du tout. Alors, non, ok. Nom du maillot. Ouais, on va mettre Barthes. Numéro. On va mettre le numéro 4 parce que c'est mon numéro que j'ai en club et c'est mon numéro fétiche, nationalité. Et je suis né le 4 janvier. Alors. Cheveux. Oh non, je vais pas me laisser chauve. Alors, coupe et longueur. On va mettre. Moyen, je sais pas comment ça fait. Ouais. Ouais, c'est un plutôt. Non, attendez, j'ai les cheveux moyens, mais pas la frange à la Justin Bieber. J'ai un truc. Comme ça permettra un peu de mettre un visage à mon nom. Putain, ça c'est trop. Ça c'est une crinière. Bon, bref, on s'en balèque. Ouais, on va mettre un truc comme ça, mais c'est pas du tout ça. Mais. Mix les trucs qui valent mieux. Oh là là, on va pas se prendre la tête là-dessus. On va prendre ça, enduit, couleur cheveux. Non, c'est plus. Voilà. Pilosité. On va mettre rasé de près, et puis plus les années passeront, et plus j'essaierai de mettre si je peux changer. Je crois que je pourrais changer, hein, mais plus les années passeront. Non, dessin, on s'en fout. Couleur des yeux, et eh ben je mettrai un peu plus de barbe, comme ça fait un peu plus réaliste. Couleur des yeux, ça marche. Teint, un peu plus. Non. Je sais pas. Ouais, bon, bref, on va laisser comme ça. Arcade, c'est quoi ça? On va laisser. Oreilles, on les voit pas, de toute façon, on s'en fout. Joue, on va laisser. La bouche est un peu bizarre quand même. Lèvres, ouais, non, écoute. Style des lèvres, ouais, bon, on va laisser comme ça, on s'en fout un peu. Alors, le poste, on va se mettre en neuf, histoire qu'on se fasse pas chier lors des séances de gameplay. Rôle, droit, centre. Style de jeu, pivot, créateur, finisseur. On va plutôt mettre finisseur. Alors, conduite de balle, 65. Ouh là là, c'est pas des belles stats pour l'instant. Mais bon, on va voir comment ça se passait plus tard. Alors, c'est pile poil mon truc. Alors, je fais 1m85, je fais un peu. Ouais, ben non, je fais 60, entre 75 et 80, mais 78 vers là. À moins que ça rajoute des stats quand je passe à 80. Non, même pas. Maigre. Voilà, je mets moyen. Je suis pas obèse, je suis ni maigre. Je suis moyen. Pied fort droit. Et je crois qu'on a fini. On a fini. Écoutez, si c'est pas beau ça. Alors, revenir, modifier joueur. Continuer, renoncer au joueur et recommencer. Continuer. Allez, hop, c'est parti. Alors, non. Je sais pas comment je vais faire, je vais peut-être faire Bainsport. La nouvelle recrue arrive. Le jeune 18 ans. Alors, je sais pas, je vais peut-être faire une vidéo toutes les semaines. Et je vais faire un mois. Un mois de cette carrière. Et alors, je vous montrerai les matchs. Parce qu'il n'y a pas trop de trucs à faire à part les matchs. Enfin, si, il y a de la gestion, tout ça. Mais plutôt les matchs. Et je vous montrerai les actions principaux. Les principales. Actions de mes matchs et on fera ça comme ça puis on verra si Metz pourra monter en Ligue 1 des trucs comme ça je pense que ça pourrait être bon quand je serai pas titulaire et bah écoutez les gars ça sera comme ça non créer une nouvelle carrière non ouais bah et sérieuse périphérique hard drive je sais pas ce que c'est sauvegarder ok à moins que changer de périphérique de stockage disque dur les périphériques de quand il y a déjà des 14 ces données peuvent être écrasées automatiquement. Non, bah c'est bon. Ouais, bon, on va mettre ça. Créer une nouvelle carrière. On va l'appeler comment? On va l'appeler YouTube. YouTube, parce que c'est ma carrière. YouTube. Mettre YouTube. Voilà, YouTube, les gars. C'est un peu votre carrière à vous aussi. Vous me donnerez des conseils. Allez, hop, c'est parti. Alors là, du coup, bah, si je vous propose cette vidéo, je ne sais pas quand je mettrai des créations d'hybrides. Mais. Alors, continue. On va continuer le calendrier. Je sais pas si j'ai des. Ok, j'aimerais bien que ça avance assez vite. Et pourquoi pas faire un match? Le calendrier a été relevé. Voilà la première affiche de la saison. On jouera contre Angers. Angers, d'ailleurs,
Ben, Angers, c'est le premier chat match à domicile du FC Metz dans la vraie vie. Et c'est le premier qui va affronter le FC Metz. Donc on va espérer, pourquoi pas, gagner. Et ce qui nous ferait prendre la première place de la Ligue 2. Ouais, ça serait plutôt cool de gagner. Ce serait plutôt cool. Bon, là mon objectif, franchement, c'est. Je vais essayer de pas me faire prêter vu que je suis en Ligue 2. Je pense pas qu'ils vont me proposer un prêt. Rester dans Metz et puis essayer d'obtenir une place de titulaire. Et après, quand j'aurai obtenu une place de titulaire, et ben pourquoi pas. Allez, on va arrêter la simulation. Voilà, on va arrêter la simulation. Jouer match. On va jouer le match après. Alors, Général 66, il faudrait que ça augmente tous. Alors, j'ai deux messages. Objectif en championnat cette saison. On fixait le jeu des yeux de votre carrière. Nous estimons que vous devez atteindre le premier. Ok, on va regarder nos objectifs. Alors, note moyenne. Conserve une note moyenne par match d'au moins 6,5. Ben écoute, il n'y a pas de problème, on essaiera. Effectuer au moins 5 passes décisives pour l'équipe, ok. Obtenir au moins un ratio de 13% de buts par tir, ok. Donc ça veut dire pour un but pour 10 tirs en gros. Je m'attends à ce que tu marques au moins 10 buts cette saison. Il n'y a pas de problème. Bon, ça va, au moins il compte un peu sur moi, je pense. Pour le club et pour le pays. Je sais que tu concentres sur ta carrière de ton club SMS actuellement, mais je ne ferai pas bien mon boulot d'agent si je ne te rappelais pas qu'il est censé être compté en équipe nationale. Ah oui, mais carrément! Carrément, j'ai envie de vous lire. Peut-être désigné une légende. Ok, bah d'accord. Ok, bah supprimer email, fermer boîte. Alors, saison. On va essayer de. Attends, stat équipe. On découvre un peu le truc. Meilleur joueur à votre poste. Alors ouais, je crois que voilà, ouais, à force que je vais faire des trucs, les stats ils vont monter. Alors peut-être que à la fin de cette vidéo, je vais peut-être avec le calendrier, pourquoi pas augmenter mon joueur. On verra ça après. Je t'ai retenu dans l'équipe aujourd'hui. Bah écoute, c'est magnifique. Merci pour toi. Merci, merci pour tout. On va lancer le match. On va se mettre donc avec le FC Metz. On va mettre le maillot classique. On va les faire jouer en jaune, il n'y a pas de problème. Et je me mets titulaire. Alors là, j'ai le choix. Soit disputer le match en contrôlant que moi, ou soit disputer le match en contrôlant toute l'équipe. Alors là, c'est vous qui me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que, si vous préférez. Alors, déjà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue cette série. Et après, si vous voulez, avec quel, si vous voulez que je contrôle toute l'équipe, ou si vous voulez que je contrôle que mon joueur. Alors là, je vais contrôler que mon joueur, voir ce que ça donne. Et si ça se trouve, ça sera de la grosse cacaille. De la grosse merde pour être poli, j'ai envie de vous lire. Non, franchement, je sais pas du tout. Et alors, franchement, je veux mettre cette série sous le compte un peu de. Bah écoutez, pour rigoler, hein, on va essayer de rigoler ensemble. Ouh là là, oh là là, oh là là, j'ai fait tomber des bouteilles. Allez, on va se mettre là. Hop là, la frappe. La frappe. Oh là là, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Allez, on va jouer contre Lucerne, c'est un match amical. Bah d'avant saison pour se mettre en jambes. Alors, faudrait que je commence cette saison en marquant ou en faisant des petits trucs comme ça. Et pourquoi pas bien jouer. Alors, j'ai l'habitude de jouer en contrôlant que mon. Ah, c'est pas comme ça du tout. Mais on va essayer. Allez, c'est parti. J'ai l'habitude parce que je joue de temps en temps en club. Et du coup, bah. Alors, je fais un appel de balle. Ouais. Non. C'est un peu compliqué. Alors, attendez. J'ai l'habitude parce que je joue souvent en pro, mais je joue avec des amis et du coup c'est pas trop la même chose. On va l'envoyer en profondeur lui. Bien joué, il m'a mis. Ah, je suis trop court, c'est dommage, mais bon déplacement en tout cas. Allez, on va essayer de s'amuser, hein, les gars, on va essayer de s'amuser. Alors c'est un peu bizarre, je dois vous avouer. En espérant que mes joueurs vont faire le taf, ça serait plutôt cool. Moi, je vais essayer de rester en 9 et pas trop dézoner parce que sinon, je vais prendre. Ma note de match va baisser si c'est comme dans le mode pro. Allez. On va jouer dans la profondeur. Ah, la passe, elle est un peu courte. Elle est un peu courte. Alors, c'est la première fois sur FA 14 que je fais ça. Oh, dommage, il a voulu rejouer sur moi. Dommage. Je pense qu'en contrôlant toute l'équipe, ça serait plus simple. Oh, il mis. On va essayer de centrer, on va essayer de centrer, les gars. Ah, dommage, lui, il a le contre. Il a le contre et on obtient une touche. C'est bien joué, c'est bien joué. J'ai voulu le mettre dans le vent, mais c'est vrai que rien qu'avec la caméra, ça me déstabilise un peu. Je vais voir si après on peut changer de.
Allez, contre la poitrine. Il arrive, il frappe. Et l'arrêt du gardien. Belle parade, belle parade. Alors Lucerne, je ne sais pas du tout où ça se trouve. Je ne sais pas du tout comment ça se fait. Je ne sais pas du tout. Alors, je pense pas faire des matchs en live tout le temps là. C'est parce que c'est le premier épisode et je voulais parler un peu avec vous. Mais, ouais, belle frappe de... Enfin, belle frappe à côté, malheureusement. Voilà, je fais mon premier épisode avec vous en live. Donc le match il est en live, mais je pense que à l'avenir je ferai plutôt des... Ah dommage. Je pense faire des résumés de match comme je vous l'ai dit. Donc faire des résumés de match avec avec les buts, tout ça et voir comment ça va se passer. Allez, on va essayer de faire une... Ah, dommage, je voulais frapper, il a repris, il a taclé au bon moment. Allez, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'occases des deux côtés. Mes joueurs défensivement, ils font le taf. Alors, c'est vrai, je ne vous ai pas trop présenté cette équipe. Mais en fait, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le FC Metz, on a deux bons joueurs qui jouent sur les côtés. Oh non, oh, bel arrêt, Mfa. On a deux bons joueurs sur les côtés qui sont Yanine Bakoto et Bounassar. Alors Bounassar qui n'est pas titulaire il me semble pour ce match, il est plutôt mis sur le banc souvent. Et il est souvent utilisé en tant que joker. Mais Yanine Bakoto pour vous donner un petit... Allez, joue-moi là-haut, joue-moi là-haut. Voilà, on va essayer de la dévier. Oh bien joué, j'ai fait un appel en profondeur, il l'a vu. C'est magnifiquement bien joué. On va centrer, il va marquer? Oh, il la met à côté, c'est dommage. Et alors, voilà, on a deux bons joueurs, notamment Yanine Bakoto. Je sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être les ceux qui suivent un peu plus la Ligue 2 ou même le foot en général. En fait, Yanine Bakoto, c'est un joueur qui est repéré un peu, enfin qui est repéré, qui est suivi par Marseille, Lyon, tout ça. Et auparavant, il était plus jeune. Et allez, mettez la tête un peu, mes joueurs. Faut peut-être penser à gagner. J'ai 7,3 notes de maths, c'est plutôt pas mal en tout cas. Il y a quelques années de ça, il aurait pu aller à Manchester, Barcelone, tout ça, et il a préféré rester à Metz, ce qui est un choix de carrière un peu... qui est un choix de carrière pour lui qui est assez intelligent, étant donné qu'il se serait certainement fait perdre, enfin qu'il se serait certainement perdu dans un grand club en étant souvent remplaçant. Et là, à Metz, l'année où on est descendu en national, on ne lui a pas laissé la chance d'évoluer. Je viens chercher peut-être les ballons un peu bas, j'espère que ça va pas trop faire baisser ma note de match, si un peu quand même. Bien joué, t'as centré, t'as centré. Allez, mine. Oh, dommage. Et bah là, du coup, il joue et il explose. Il explose. On a aussi un super attaquant qui est bah, meilleur ou co-meilleur buteur de Ligue 2, qui est Diafra Sakho. Franchement, il a claqué pas mal de buts en national. Et là, c'est vrai qu'il fait grave le taf. Et on va essayer de dribbler et se mettre en position de frappe. Et voilà. On va frapper la frappe et c'est à côté, c'est dommage. Mais au moins j'ai pris ma chance. Et ouais. Et sinon, bah, c'est vrai qu'on a eu on a la défense centrale avec Marshall et Choplin de Basel l'année dernière. On a réussi, on a fait un bon recrutement intelligent avec des joueurs assez, assez bons et assez expérimentés. On a aussi Nicolas Fauvergue. Bon, Nicolas Fauvergue, il est un peu en dessous, mais c'est vrai qu'il marque des buts importants. Et c'est le principal. Allez, voilà, une touche. Ah, dommage, il passe pas devant. Oh oui, tu marques. Oh là là, dommage, j'aurais pu marquer. J'aurais pu marquer. C'est vrai que marquer dans les matchs d'avant-saison, ça aurait été plutôt cool. Alors, ça fait un peu bizarre. J'ai numéro 4 et je suis attaquant. Mais bon, c'est comme ça, on s'en fout un peu, les gars. Allez, de toute façon, je verrai bien, les gars, si cette vidéo vous plaît. Hein, je continuerai. Si jamais je vois que ça vous plaît pas du tout, ben, j'arrêterai, les gars. Je vais pas continuer de faire un truc qui vous plaît pas. C'est un peu votre chaîne aussi à vous aussi. Et j'attends vos conseils en vidéo pour ceux qui ont l'habitude de jouer à ce mode. C'est la mi-temps en tout cas. Et je verrai bien sur le nombre de pouces verts, tout ça. Hein, tout ça, on verra bien. Ahmed Kashi qui a fait une frappe un peu trop enlevée. Bon, les autres résultats, c'est des matchs amicaux, du coup, il n'y a pas trop grand chose à voir. Même si mon joueur, il est un peu plus. Il est fatigué. Ouais. Ils vont rouler? Elle est au-dessus, elle est au-dessus, elle est au-dessus, ouais.
Ah, je suis pressé que mon joueur il augmente un peu, je pense là comme je vous l'ai dit en. Je sais pas si je le ferai en vidéo ou quoi, mais dans le catalogue on peut augmenter son pro. Alors je sais pas si ça augmente que le pro en ligne, ou si ça augmente aussi le pro qu'on a. Qu'on a créé en hors ligne. Et si c'était le cas, bah ça serait plutôt cool. Alors là on va demander la balle, voilà. Elle joue un peu dans les pieds, voilà. Alors je sais pas ce que c'est. Allez, on l'envoie en profondeur, c'est bien joué, il est court. Ah, il est court, dommage. Et, il pleut, là, c'est un peu. Ça, c'est assez réaliste parce qu'à Metz, c'est vrai qu'il pleut assez souvent. On est à domicile, donc ouais, bah, c'est tout à fait réel. Très réaliste. Et ce que je disais, voilà. Ah, oui, je récupère la balle. Ah, j'ai pas eu le temps de l'envoyer. Et c'est vrai que bah, là, comme je vous l'ai dit, je voulais vous faire une création à thème d'équipe comme c'est le cas les mardis. Oh oui, il va marquer, il va marquer. Oh là 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 là, il s'est fait reprendre au dernier moment. Ah là là, je voulais jouer en remis, c'est pas grave. On s'est fait intercepter la balle. Je voulais créer une équipe à thème et elle va être. Je vais vous la proposer à un autre moment. Je verrai si ça vous plaît, je continuerai quand même les. Ah oui, la frappe, elle est croisée, elle est pleine lucarne. Elle est pleine lucarne. Et voilà, 59e minute, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Plus ça en finition, c'est cool. Je crois que je lui ai cassé le but, je sais pas dans l'angle où j'étais, mais bien joué. But en dehors de la surface en plus. Ouh la vache, je lui ai cassé la lucarne, bien joué. Bien joué à lui. Et ouais, ce que je disais, non, j'espère qu'il va pas me faire sortir parce que là, ce serait vraiment. Diafra sa connerie. Ça va, il me fait pas sortir. Ouais, ce que je disais, c'est que Fight Ultimate Team en ce moment, bah, ça m'énerve un peu, les gars, je dois vous avouer. La frappe, ah dommage, elle est à côté. Ça m'énerve un peu parce que je sais pas. Je crée des équipes pas très fortes et j'arrive super bien à jouer. Et dès que je crée des grosses équipes, je galère. Je galère. Et je sais pas, j'ai pas de chance. Je suis pas verni en ce moment sur FUT. C'est un peu. Ouais. Voilà, on va récupérer le ballon et on va jouer en retrait. C'est bien joué. Allez, dévile à moi. Dommage. Et donc voilà, donc je sais pas si j'arriverai à jouer à FIFA Ultimate Team toute l'année. Parce que c'est vrai que ça me prend pas mal la tête. Alors j'aime toujours créer des équipes. Alors je pense que je continuerai à vous créer des équipes. Maintenant vous créez deux équipes par semaine, c'est vrai que c'est un peu chaud. Là j'ai le temps parce que c'est les vacances, c'est pour ça que je voulais lancer cette série. Je vous avais dit que je ferais un pack opening. Et ben. Écoutez, le pack opening. Allez, voilà, je l'ai envoyé en profondeur. Ah dommage. Le pack opening, les gars, en fait, j'ai pas envie de mettre 20 € dans un truc pour l'instant qui me prend la tête. J'aurais bien par la suite, hein, comment ça se passe. Mais ouais. Allez, la frappe. La frappe, elle est un peu loin, mais elle est cadrée, c'est toujours ça. Et bah là, l'équipe que je voulais vous proposer à thème, c'est l'équipe. Une équipe colombienne. Alors, cette équipe, je vous la proposerai bientôt, dans quelques jours. Ouais, dans quelques jours, je pense. Et je peux vous assurer que c'est une équipe qui est vachement bonne. Et je suis pressé de vous la faire partager. Maintenant, voilà, je pense que c'est bien aussi de voir des choses, autre chose que du fut. Allez, voilà. Ah, dommage, le contrôle. Ah, je voulais changer de côté. Allez, 9,3 notes de match, c'est plutôt pas mal pour un premier match. Après, voilà, je suis qu'en pro, donc ça se trouve, après, je vais vous montrer un peu mon niveau. Et on va l'envoyer en profondeur. Ah, dommage, je me suis récupéré la balle. Mais je pense, voilà, ça va être une série sans prise de tête. Alors là, c'est vrai que. Après, j'essaierai de faire des beaux montages, des trucs assez sympathiques et. Comme ça, parce que c'est vrai que les matchs comme ça, c'est peut-être un peu long. Et ça permettra de me suivre sans voir des matchs en live. Après, si vous voulez des matchs en live, les gars, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous dis, je pense peut-être des résumés de 3-4 matchs, comme ça pourrait être plutôt cool. Et ouais, comme je vous dis, je pense une vidéo, ça fera un mois. Et avec donc les matchs, tout ça. Et on verra si Metz passera en Ligue 1, si tout ça. Et je pense que ça peut être cool. Ça peut être cool. Et là, bien joué, le défenseur qui garde un peu la balle. Moi, je suis un peu cuit. Je suis un peu cuit là en plein milieu du terrain. On va essayer de demander la balle dans l'axe quand même. Voilà. Allez, mets-la moi. Bien joué. Allez, on va envoyer. Ah, dommage, il n'est pas parti. Allez, on récupère la balle. Non. Et franchement, je pense que ça peut être cool. Alors, c'est clair, ça me demandera du boulot. Mais ouais. Je serais plutôt cool. Ce serait plutôt sympa. Et moi, ça me tente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je jouerai ce mode. Après, alors, est-ce que vous voudrez en vidéo ça? C'est vous qui me direz. Mais voilà, je pense que ça peut être plus. Allez, on voit moins en profondeur. Dommage.
En sachant qu'on est des promus, enfin, on est peut-être sur fin, on est des promus, alors en réalité, c'est vrai qu'on crée un peu la surprise en étant dans les top 5 du championnat. Maintenant, voilà, est-ce que. Et oh, ben passe! Et marque comme si ça ne pouvait pas ici. Dommage. Oh, il a marqué! Oh, bel arrêt! Et bah écoutez, les gars, ouais, donc on crée la surprise. Alors maintenant, est-ce que sur FIFA, on va peut-être se prendre que des tollés, mais bon, voilà, ça me permettra de progresser. Et puis pourquoi pas, déjà, terminer meilleur buteur de Ligue 2, ça serait plutôt cool. S'il me fait jouer l'entraîneur, si l'entraîneur fait pas son enfoiré et qu'il me fait jouer. Eh, Diafra, ah, envoie-moi, dommage. Et donc, s'il me fait jouer, pourquoi pas terminer meilleur buteur de Ligue 2 et puis après partir en Ligue 1 l'année prochaine. Donc, ça ira assez vite, hein, les années. Enfin, je vous dis, si je vois vraiment que ces vidéos-là marchent bien, j'en mettrai peut-être même deux par semaine. On verra bien comment ça se roupille, tout ça. Et puis après, pourquoi pas continuer jusqu'à ce que je. Pourquoi pas un jour me retrouver même à Barcelone ou un truc comme ça. C'est l'objectif quand on commence une carrière comme ça. Donc, on a fini le match. Voilà, on est à 26 minutes de vidéo. Alors normalement, les vidéos ne seront pas aussi longues vu que je ferai pas de match en live. Ça sera surtout des résumés de match, comme je vous l'ai dit. Peut-être mettre 1 ou 2 mois, je sais pas. C'est vous, tout ça, qui me direz dans les commentaires. Alors envoie un peu les stats. Bah, j'ai fait plutôt un match assez correct. 9,3. C'est surtout mon but qui donne la victoire. Qui donne la victoire. J'ai monté d'un point ma note de général. Bah, c'est cool. Maillot manche longue, première sous la pluie, ok, on débloque pas mal de trucs. Ok, alors on va supprimer tous les emails. Hop là, alors bah, je crois qu'on va se laisser là-dessus, les gars. Alors n'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires. Hein, tous vos avis, je les lirai tous et je les prendrai tous en compte. Et dites-moi surtout si vous voulez que je continue ou pas cette série. Hein, franchement, moi, ça me dirait plutôt bien. Maintenant, après, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, mais écoutez les gars, on va se laisser là-dessus. Sur ce, c'est un Jack Killer. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!